L'entreprise synchrone, c'est le modèle par défaut de fonctionnement de l'univers. Ou plutôt, on va dire, de l'entreprise classique. Et aujourd'hui, il y en a un nouveau qui est rendu possible par les nouvelles technologies, c'est le modèle asynchrone que personnellement, j'utilise dans mon entreprise. Je présente rapidement mon entreprise. On m'a présenté, je suis blogueur YouTubeur. En gros, mon business model, c'est un mélange entre une maison d'édition sur le web, un magazine et puis tout simplement l'activité d'un auteur. Qu'est-ce que je pourrais faire dans mon entreprise? Qu'est-ce que ça pourrait me faire gagner en productivité, en bien-être et qu'est-ce que je pourrais attirer comme talent si au moins je mettais ça en place partiellement? Donc, il y a quelques outils qui peuvent vous aider déjà à démarrer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que personne ne vous demande de devenir le meilleur expert mondial en globalisation, en mondialisation de votre entreprise du jour au lendemain. Et que tous les outils que je vais vous présenter là, vous pouvez les explorer tranquillement de chez vous à partir de votre ordinateur, à votre rythme. Et la première vraiment chose à explorer, c'est Upwork. Upwork, alors il y en a d'autres, hein, c'est la plus grande place de marché mondial. Là-dessus, vous avez des millions de prestataires et d'employés dans le monde entier dans des centaines de catégories différentes que vous pouvez recruter d'abord pour des projets, pour les tester et puis après sur du plus long terme. Et Upwork, moi je vous recommande fortement d'aller voir quelques minutes par jour. C'est tellement bien fait, c'est presque un jeu vidéo ce truc, c'est assez impressionnant. Passez quelques minutes par jour, regardez un petit peu le type de talent que vous pouvez trouver. Et bien sûr, c'est une plateforme mondiale, donc c'est une interface en anglais, mais vous pouvez trouver énormément de profils francophones dessus de tous les pays. Ensuite, Asana, un logiciel pour s'organiser. Il faut savoir que la version gratuite permet déjà de faire énormément de choses. Et même si vous ne pensez pas un jour vous mettre dans ce type de fonctionnement, sachez qu'Asana, c'est un logiciel qui peut aussi s'utiliser quand vous avez une entreprise tout à fait classique et que ça peut augmenter votre productivité. Bon, Dropbox, je pense que tout le monde connaît, ou équivalent à un Google Drive, etc. pour échanger les fichiers, ou les logiciels de Google en ligne, ça fonctionne bien. Et si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment faire des réunions, vous pouvez utiliser Zoom qui fonctionne bien, sinon les appels Skype, ça marche aussi très bien, bien évidemment. Donc, voilà, j'aimerais vous ouvrir un petit peu ces possibilités-là. Quel poste vous pourriez dématérialiser partiellement ou complètement dans votre entreprise? Quel talent vous allez pouvoir attirer? Quel bien-être vous allez pouvoir apporter? Quel gain de productivité vous pourriez avoir avec un modèle comme ça? Quelles nouvelles possibilités allez-vous pouvoir accomplir? Et puis surtout, quel rêve pouvez-vous accomplir avec un modèle comme ça? Merci.